De quoi? Un point de compétence. Ouais, ah bon, ça? Mon cabanon là derrière le. Dans le cabanon? Oui, là, ça, là, le. L'hôtel, là, je sais plus quoi. Ça s'appelle ça, paroisse. Ça, là-dedans, là? Oui, derrière le pupitre. Bah non, moi j'ai rien. Juste là. Bah non, moi j'ai rien. T'as rien là? Pas du tout. Bizarre. Tricheur. Ouais, c'est ça. Putain, ce tricheur de ses morts. Le mec il voit des points de compétence et tout là. Non, mais sérieusement. C'est juste mauvais, c'est tout. Ah, mais je te jure, j'ai pas. Hein. Tout ouais. Doux. Ah, du coup, maintenant, je suis allé où? Escorté. Exode là-bas. J'ai mis un marqueur, j'ai même pas de marqueur sur la carte quoi. Non mais lol. Derrière moi. Mais va moins vite toi. Ah attends. De quoi? Oh nice, un bateau. Bateau en fin de compte. Le duc il a un bruit d'un camion, tu sais. Le klaxon d'un camtar. Bah roule. Bah attends, y'en a encore un con qui nage comme un dauphin là. Le mec met un coup de latte. Allez, monte là, Brigitte, monte. Bon, allez, grosse catin. Oh là 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 là. Tu nageras. C'est pas très loin. J'ai dit que c'était pas très loin. Ils sont costauds les mecs avec leur triangle rouge là, punaise. Pardon, Nani? Bah on shoot. Ah merde, je m'éloigne. Tous les pécores sont là? Ouais. Tu viens? Il y en a un qui te suit là depuis tout à l'heure comme un gros pégu. Il veut te toucher les zizi. Qu'est-ce que t'as senti, Boomer? Un ours. T'avais aucune chance, Winnie. Aucune. Tu voulais nous bouffer. Un ours au noir alpha en plus. Putain. Ça déconne pas ici. Oh, cool, des balles. Oh, je suis plein. C'est toi le vrai chef. 13. Grave. High five. Connard de blaireau qui. Aïe 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 aïe. What? Tu tapes mon chien toi, ce fils de... Mon pauvre Boomer. Oh non, oh non. Ça va pas recommencer là quoi. Et puis lui maintenant il me parle plus parce qu'il est en mode furie. Oh. Viens voir, j'ai un petit cadeau pour toi. Bah c'est un petit cadeau, t'auras un lance-roquette.
t'auras pas ta petite arme de merde. Voilà, on s'est barré, pardon. Bah j'espère. C'est bon, on peut se parler toi là? On peut se parler? Je t'ai dit quoi? On peut se parler? Y'a une meilleure position! C'est parti! Une meilleure position, pourquoi? Mais y'a rien, mec, y'a rien! Ah si, y'a toi. Oh là 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 là. Où est-ce qu'il... Ça y est. Sérieusement? Oui, c'est bon, allez, on a compris, tu veux parler. J'ai vu des juges dans le coin. S'il renifle ce que Tchad fait cuire, il est foutu. On doit y aller. J'ai pas envie de rester planté là et de laisser une autre personne mourir. Bonne chance. Mon gros pépère. Bref. Next. Donc ça, c'est fait. Donc du coup... Bah je propose qu'on aille voir le ranch décide. Attention, il reste plus que ça. Après le reste, ça reste assez loin au nord-est, donc allez hop. Un tir d'aile, le ranch décide. Allez, c'est parti pour le ranch décide. Là-bas. On y va à pince comme ça, si on peut faire du stealth. J'avais pas vu qu'il fallait dépasser de l'eau sur la carte. Et ça tire. Non mais comment il a pu? Non mais le mec. Ah, l'ours mort, hein. Mais l'ours, il m'a tapé, il était à 30 mètres de distance. Il tapait, ça me touchait. Ah ouais. Ouais. T'as abusé. Surtout le mec il voit un seul ours quoi. Et l'ours. Et le... Ah c'est un grizzly. Les grizzly font de la télékinésie. Okay. Où est-ce qu'il est? Allez, bah les boomers là, viens. Allez, nage ma grande. Ah cool, un truc d'arme. Je vais pouvoir vendre mes conneries. Vas-y, pousse-moi encore, je te dis rien toi. Mais ça tire, pourquoi? Y'a personne. Oh, putain. Oh non mais lol. Mais merde quoi. C'est quoi ce jeu qui me dit fuck? Mais ça ma parole. Mais sous nos yeux quoi. Le mec il attend d'être sous nos yeux pour crever comme une merde. Insupportable. Oh c'est de la folie furieuse ce jeu quoi. Il y a une quête ici. Il y a pas un ours pour le buter là, c'est bon. Bon. Ours ninja. Tu sais, il part d'une branche en haut. Ouais, ouais. Il part d'une branche en haut avec une ficelle. Hop, il chope le truc et il l'amène dans l'arbre pour le bouffer. Machin, c'est le jeu, il en est plus à ça près. Bon, alors attention, on peut se faire capter. Ouais, déjà là, ils sont limite en train de me capter. Mais... Je fais le temps très bien haute là où. Il y a un silo. Ah oh, pour le moment ils m'ont vu. Attends le sniper là-haut il est. C'est stable. Il est mort. Je vais juste péter un silo, je reviens. Vas-y. Normalement j'ai foutu le feu, ça devrait suffire. On vous envoie de l'aide.
Bon, j'ai fait deux morts. On a toujours pas activé l'alarme. Ah si, il y a l'alarme. Ouais, bah en tout cas pour l'instant ils vont pas capter donc... C'est pas encore trop grave. Il y a du mortier aussi. Oh putain, allez, il me vise moi. Je vais m'occuper du mortier. Je sais pas ce qu'il est, mais... Si tu le localises... Il est là. Meurs chien. Pourquoi tu as pas attaqué Boomer? Mode non discrétion activé. Putain, Boomer est mort quoi. Allez Boomer, on t'en est pas encore venu. Ah, ça c'est cool. Punaise. À nous le ranch. Allez hop, au feu. Envoie-le, allez. Fais pas ton timide. Le mec qui regarde la femme monter le drapeau, tu sais. Ça c'est un homme. Ok, alors est-ce que tu as trouvé des trucs intéressants Dans la baraque, j'ai pas trop regardé. D'accord, bah j'ai regardé. J'ai vu ta mort dans une vision. Y'a un bazooka. C'est ton propre péché qui causera ta perte. C'est bien d'avoir fait des portes, mais elles sont fermées. Mmh. Ouais, des portes décoratives. Ils font une culture de Bible dans ce jeu-là. Oh, y a des couteaux de lancer là. Je suis déjà plein. Je pourrais y passer mes journées. Ça va? C'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. T'as trouvé des trucs alors? Non, il y avait rien.
Tu viens? Ouais, j'arrive. Je suis armé. Armé d'Ikits. Génial, officier! Je viens d'entendre les cinglés se plaindre qu'un intrus avait piqué mon avion. Vous vous éloignez un peu. Prenez la direction du nord. Non, moi je veux descendre. Il y a plein de quêtes. Comment je fais pour descendre? Ah eux? Bah non, ça va pas. Ah, t'es figé. Ah, je t'avoue, moi non plus. Je peux pas. C'est tout, hein, vas-y. Bon. Fais la quête. Plus trop le choix. Donc il est mort, quoi. Ça dépend ton niveau de pilotage. C'est vrai que comme t'es très mauvais. Ouais. Elle a son petit caractère. Ouais, l'avion serait déjà parti en tonneau s'il y avait un problème. Bon, faut croire que la secte a quand même des pilotes compétents. C'est chiant parce que pour monter et descendre c'est inversé en fait. C'est. Enfin, c'est plus arcade et réel quoi, mais. C'était vachement impressionnant. Les cinglés ils doivent être sur le cul. Merde, j'aurais payé cher pour voir la tronche qu'ils ont tirée. Quelle tronche. La tronche pour tirer. Enfin, tirer la tronche de quoi? Ils ne voyaient pas, ils passaient chez nous. Non, quand on a pris leur baraque. Ah! Je suis un peu. Entre nous, j'aurais même pas dû m'inquiéter une seconde. On a toujours pu compter sur cet avion chez les rails. Je sais pas ce qu'on aurait fait si on avait perdu notre avion. Tu parles beaucoup, mec. Ça va, c'est bon tes chocolats? Ouais. C'est mon dernier là. Dernier chocolat. J'en ai plus après. Tu vas mourir après, tu vas t'en manquer. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Ça va, tu t'amuses bien toi? Derrière? Ouais. Ah ouais. Dire. Bon, c'est le principal après. T'aurais pu foutre une toile quoi. Bah c'est clair. Franchement pas. Viens, on échange, je saute et tu prends la place. Vas-y. Ça marche pas. C'est bon. Je peux pas te tirer une balle dans la tête, t'as rien. Ouais. Alors atterrir maintenant. Aise. Pourquoi j'ai pas confiance? On dit que le plus dur c'est d'atterrir. Mais je vais vous montrer comment faire. Alignez la piste droit devant vous, tout en vous rapprochant progressivement du sol. Sans deck. Ah, j'avais jamais de la vie, je me serais douté que ça serait comme ça. Je croyais que tu descendais en piqué là où tu devais aller. Et en allant le plus vite possible. Un atterrissage d'enfer, partenaire. Apportez ouais, grave. Je vous ferai signe. Facile. Les doigts dans le nez en plus. Ah mon dieu, j'y crois pas. Putain de merde, bravo. Vous êtes top, merci! Kim! Notre avion est revenu! Oui! Je sais! Avec la batte sur le. Enfin, pas la batte, mais la pagaie. Allez, on y va! Sur les bouées. Je dois dire, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. Ah! Putain de taré! Ça c'est parce que je suis là. La malchance plus la malchance égale la chance. Vous savez, cet avion est dans la famille depuis 3 générations. Vous vous rendez compte? Et Hakim, elle est en train de se faire bourrer. Ah, je vous jure, les femmes des fois. Bah va l'avoir, elle te trompe. Mon grand-père a dégoté cet engin juste après la guerre. Il était super fier. J'ai fait quelques modifications au fil du temps. Kim, tu veux bien te dépêcher? Quoi? Allez hop, on prend l'avion, c'est parti. Ces enfoirés, ils nous lâcheront pas. Ah mais ça, on l'a vu depuis longtemps déjà là. Écoutez, je me défends dans les airs, mais vous, vous êtes encore meilleur au sol. Je les prends d'en haut et vous d'en bas, vous en êtes quoi, partenaire? Tu me fous de ma gueule. On y va. Kim, sors pas d'ici jusqu'à mon retour. Vous avez fait chauffer les mitrailleuses, mais moi je vais les pousser à fond. Kim est à la maison. Je vous fais confiance, hein. Protégez-la. Ouais, t'inquiète. Un gros pervers. On va prendre soin d'elle. Je réanime mon chien. Un seul, c'est tout.
Bon, là, Antini, t'es pas très réactif, hein. Bien joué. Pardon ? Par la piste. Ah oui. Oh ! On s'en va. Non. Non ? Non. Allez. On est chez nous ici. Non mais Kim, t'as pas l'air de comprendre. Quoi ? Je comprends pas quoi. Quand t'es une chinoise ? Non, c'est une indienne. Encore d'autres horreurs, c'est ça ? Kim. Oula, c'est pour ça qu'elle veut. Pour ça qu'elle veut papa. Nick, ah oui. Ton grand-père. Waouh, t'as quoi, c'est barre en couille. Ah bon ? Ah ouais, tu peux redire un peu ce que tu disais ? C'est pour ça qu'elle veut pas partir, même si elle a dedans crevé. Ah. T'arrêtes pas de dire que t'espères que notre fille reprendra ton affaire. J'ai parlé de transmettre mon affaire à un fils. Tu as vu l'échographie ? Oh ! C'est une fille. Po. C'est pas comme si on y voyait quelque chose. Nick. Le mec est pas content d'avoir une fille. Elle est heureuse. Je t'ai... Mais ouais, elle a un gros macho de connard en mec. Elle est heureuse. Oh elle va en crever, mais elle est contente, c'est pas grave. Ouais. Oh là 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 là. Avec l'avion mort devant la. C'est hyper déco. Tous les deux. Ils sont contents. Mais qui meurt tous les deux à la fin. Prenez bien soin de lui. Ouais, parce que toi, non. Toi, tu l'envoies à la mort, toi, y'a pas de soucis. Moi, je prends soin de personne. Je prends mon avion, partenaire. Donc, quoi, ton truc craché sur le dos, là ? Si, elle est où, ça ? Où ça ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Il y a encore la photo de Boomer ici. Tous les zéophiles de Boomer. Tous. Tu crois vraiment que ces gens t'apprécient ? Tu crois qu'ils te voient comme une héroïne ? Ouais. Je me demande si ce sera toujours le cas quand ils rouleront dans la fosse en poussant leur dernier souffle. Ouais. Tout est planifié. Mais je ne veux pas te gâcher la surprise. A bientôt, on se reverra dans d'autres cieux. La famille Rai était installée ici avant même la fondation de la ville. J'ai partagé des nuits de beuverie mémorables avec le père de Nick au Spread Eagle. Nick, c'est un bon gars. Veille bien sur lui, d'accord ? Cette famille, c'est un symbole d'espoir pour tout le comté. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire avec cet avion là ? Apparemment, il y a une quête. Tu viens ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme la map là ? Ah, bah il nous reste plus que ça à faire.